Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre à fixer sa GoPro ou caméra embarquée sur son casque moto, scooter ou 50 cm3. Donc ça dépend, donc il y en a plein d'autres. Donc moi c'est un casque comme ceci. Voilà, donc il vous faudra donc cette petite pièce, donc il faudra coller contre le casque, donc il faudra essayer que ce soit plat. Donc cette petite pièce c'est celle-ci sans le petit truc en or là, et donc là on peut voir qu'il y a un fil blanc, enfin un papier blanc, donc c'est la couche là qui est juste entre le blanc et la partie noire qui est à moitié gris. On va appeler ça de la colle. En fait, je sais pas comment expliquer. Et en fait, ça colle. Donc, vous allez enlever ce papier blanc. Et quand vous allez le mettre sur votre casque, donc imaginons que vous le mettiez ici, eh bien, vous allez appuyer pendant 2 minutes, à peu près 1 à 2 minutes. Et puis, quand vous allez lâcher, bah, ça va tenir tout seul. Donc là, il faudra laisser reposer. Donc, moi, j'ai laissé reposer pendant toute une soirée. Donc, voilà. Et maintenant, bah, je reviens dessus. Maintenant, je peux faire ça. Regardez. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ça colle vraiment bien. Donc, je vous le conseille. Donc, moi, je l'ai eu avec ma GoPro. Donc, voilà. Ensuite, il vous faudra... Donc, je vais appeler ça un bras. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, là, c'est un bras. J'appelle ça un bras. Hop. Avec... Donc 3 vis, 1, 2 juste là et 3. On aura besoin, bah moi c'est ce que j'utilise, c'est de la protection imperméable de la GoPro. On aura besoin d'une petite pièce pour accrocher juste là. Et nous aurons besoin de un bras, deux bras et voilà. C'est aussi simple que ça, nous aurons besoin que de 2 bras. Donc, je vais faire une courte pause. Alors, on peut appeler ça une courte coupure, juste pour vous montrer les pièces qui sont juste en face. Donc j'ai décalé la GoPro, donc il vous suffira d'avoir cette petite pièce-là. Donc c'est le bras, ce que j'appelle le bras, et celui-ci. Et donc, je vais vous les emboîter, donc il faudra les emboîter comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous le faire comme ceci. Il faudra les emboîter. Je démonte devant vous. Voilà. Donc, voilà, c'est bien 2 pièces qu'on emboîte comme ceci. Hop. Ça donne ça. Et donc ensuite, on l'accroche à notre petite fixation. Et voici le résultat. On a bien nos 2 bras. Donc nos 3 vis, j'ai pas utilisé les 3. Mais parce que j'ai pas utilisé non plus cette petite partie. Et voilà, ça donne ça. Ensuite, on va revenir sur notre casque. Il faudra vraiment choisir la bonne... le bon sens, pardon. Donc, hop, quand je vais le fixer, ça va bien se clipser. Et ensuite, il faudra juste les paramétrer. Donc, quand je dis paramétrer, c'est bien choisir la position de votre GoPro. Il ne faut pas vous tromper. Donc, moi, je vais vous montrer ça comme ça. On voit bien qu'elle est bien droite. Ouais, bon. Voilà, en fait, c'est vraiment que la qualité est mauvaise. Mais voilà, sinon, ça donne ça. Et donc, quand je mettrai ma GoPro, bah, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est très bien cadré. Donc, ma vidéo précédente, elle sera dans le lien de description, je pense. Et sinon, elle sera juste à la fin de la vidéo, là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je donne plus trop de nouvelles à qui la faut. Viens dans mon coin, ça bibi quelques grammes.
de bœuf.